Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et oui, aujourd'hui on va voir un bébé sur GTA 5. Oui, un bébé, vous voyez un bébé? Bah voilà, bah c'est lui, bah voilà, j'ai eu un bébé sur GTA 5. Et je dois m'occuper de lui, voilà, là je suis à l'hôpital. Parce que bon, ma femme a accouché, donc du coup on va y aller. Let's go, c'est parti les gars. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, on va s'occuper d'un bébé, on va voir ce que ça fait d'avoir un bébé, hein. Bon, je n'en ai pas un dans la vraie vie, hein, mais là on en a un du coup sur GTA 5. Et croyez-moi que c'est assez chaud, voilà, hein. Du coup c'est parti, let's go. Ok, et du coup les gars, on est parti. Oh là 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 là, c'est quoi de ces cris de bébé là? Oh my god, c'est mon bébé. C'est le petit Onmin les gars, il est là, il est là. Bonsoir petit Onmin, comment vas-tu? Ah ouais, il est... Bon déjà il est stylé, ils sont bien habillés, tu vois. Bon, c'est moi qui ai trouvé les habits avant, je leur dis bien mettez ça. Pas mal, hein, franchement je kiffe la petite capuche là comme ça. La petite auto c'est tout. Il se met bien directement quoi. Le mec il se met bien. Voilà les deux médecins qui sont occupés du bébé. Merci à vous. Merci à vous les gars. Bah écoutez, on va le prendre. Hein. Et on va le prendre. Bon bah, par contre, j'ai une poussette, mais c'est pas trop une poussette, les gars. Vous allez voir, c'est une poussette, on va dire, de. Voilà. Une poussette, mais version 2021. Voilà, une poussette de l'époque. Vous voyez, moi je vis à l'époque. Hein. J'ai pas les moyens d'acheter une poussette. Donc là, vous allez voir ce que je vais prendre. J'ai volé un truc. Je vous montre ça tout de suite. Ok. Trop stylé les gars, regardez. Non mais regardez-moi où est-ce qu'il est mon bébé. My baby, mon bébé à moi les gars. Eh, vous savez quoi les gars? Moi, je suis un fou. C'est-à-dire que les médecins, ils sont devant moi. Mais regardez ce que je vais faire. Pouhou. Wow. Oh les gars, le bébé il se met direct dans le bain. Non mais regardez, il est là. Le bébé est avec moi les gars. Bon, bah par contre, faut que j'aille à la maison. Comme ça, ça va être un peu compliqué. Donc je vous ai dit les gars. Moi, cette fois-ci, je vais prendre un bébé, mais un bébé, les gars, c'est pas n'importe lequel des bébés, ça va être un bébé fou. Voilà, il va être clairement fou, on va faire des trucs de fou ensemble. Bon, déjà là, le gars, il vient de naître, on prend directement des sauts, c'est du direct, c'est du direct. Avec moi, c'est cash, quoi, c'est cash. Le bébé, il vient, il apparaît, bam, il saute, faut le mettre dans la vraie vie, les gars, faut le mettre dans la vraie vie, les gars, directement, il faut le mettre dans le bain. Bon, par contre. Il va pas trop vite hein, ce petit caddie. Bon, en même temps c'est un caddie, vous allez me dire. Bon, on va aller chez nous tranquillement. Ah oui, parce que bon, attends, je vous ai dit les gars, mais moi chez la maison de Franklin, hein, je veux dire, voilà, c'est la mienne, c'est la mienne. En tout cas, il se porte bien. Hein. Attendez, je vais m'arrêter pour voir. Salut. Je vais voir si... Bon, il pleure, hein. Depuis tout à l'heure, il pleure, il me rend fou. T'en as pas marre de pleurer? Hein? Je veux dire, t'es là, t'es posé dans le caddie, tranquille. Bah oui, parce que bon, moi j'ai un bébé. Il est debout direct, quoi. C'est. Je l'ai appris, je l'ai appris direct, quoi. Je lui ai appris à aller debout, je lui ai appris à marcher. C'est direct, les gars. Vous allez voir, vous allez voir. Bon, on est parti. Let's go. Hop, on va à la maison. Ok. Hihi. Allez, mon petit. Tu me suis, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je t'aime bien, mais il faut que tu t'enlèves de ce petit caddie. Mais je crois qu'il a l'air de kiffer, les gars. Il a l'air de kiffer. Les gars. Là, vous me regardez dans les yeux. Il faut que je vous avoue un truc. C'est pas mon bébé. Voilà, je le dis, c'est pas mon bébé. Voilà, c'est pas mon bébé, c'est celui de. Voilà, vous me dites, mais pourquoi tu vas chez Franklin? Et bah, tout simplement parce que c'est pas mon bébé, mais c'est le bébé de Franklin. Et oui, les gars, c'est le bébé de Franklin. Et vous allez voir que c'est plutôt sympathique parce qu'on l'a ramené chez lui. Il nous a pas mal récompensé. Donc, on est parti. Franklin, tranquillement, hein, je veux dire, il a reconnu le papa direct. Hein, alors, fiston. Fiston, alors, on va voir si je peux le prendre dans les bras sans qu'il pleure, les gars. Est-ce que je peux le prendre dans mes bras sans qu'il pleure? What? Mais. Il est... Ouais, c'est bon, tu vas te calmer, tu vas arrêter de tourner autour de moi. Hop, allez, monte, monte. Voilà. Oh. C'est grave stylé, les gars. Non, mais attendez, j'ai un bébé. J'ai un bébé. On va lui faire visiter la maison, quand même. Hein. Donc, voilà, bah, bienvenue chez toi, petit bébé. Trouvez-lui un nom dans les commentaires, parce qu'il a pas de nom. Donc, il faut lui trouver un prénom. Trouvez-lui un petit prénom. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Attendez, on va le poser, parce que là, il est un peu bizarre. Voilà, hop. On se pose. On peut le poser. Hein. Hop, tu reviens ici. Tu reviens chez papa. Allez, hop, tu remontes sur papa. Allez, voilà. C'est bien mon petit bébé. Tu vois, il m'écoute, les gars. Il m'écoute. Alors, bienvenue chez toi. Donc là, comme tu peux le voir, ici, tu as le magnifique salon. Voilà, la cuisine, forcément. Ah, mais il a un chien aussi. Est-ce qu'il va bien il va bien aller avec le chien, les gars. C'est ça la question. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec le chien? Voilà, la petite cuisine, forcément, où je fais jamais à manger. Voilà, c'est ici, tranquillement. Voilà. On va juste... voilà, je suis un petit peu fatigué quand même. Donc, tu sais ce qu'on va faire.
Je vais le poser ici, les gars. Voilà. Hop, tu vois, je vais me poser là, tranquillement. Et puis moi, je vais me détendre tranquillement, quoi. Voilà. Hein. On va se détendre tranquillement, les gars. On est là, on est posé. Avec le petit t-shirt Pokémon, d'ailleurs, au passage, Pikachu. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Ouais, la bonne. Ouais, elle est bonne. Ah là là, c'est de la bonne. C'est ça, les gars, qu'on veut. Oui. Oh là, par contre. Ouais, elle est forte. Ah bah oui, c'est. Oh la vache. Ah ouais, là, je suis complètement stone. Ouais, il est encore là. Le petit bébé. Allez, suis-moi. Il me suit? Allez, suis-moi, bébé. On va sortir. On va sortir, viens. Allez, viens. C'est par là-bas qu'on sort. Il me suit, hein. C'est stylé, franchement, d'avoir un bébé, les gars. Allez, suis ton papa. Voilà, parce qu'il sait, je vous ai dit, il marche. Hein. Parce que habituellement, hop, voilà, je vais te faire visiter le jardin. Bon, par contre, je pense qu'il sait pas nager. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec Chop? C'est ça la question. Et il a pas l'air de vouloir courir. Hein. Il est pas très motivé comme enfant. Regardez, il court pas, il marche. Et il marche, hein! Le mec, tu sais, il se prend pas la tête. C'est à la cool, quoi. C'est quoi le bébé que j'ai eu là? Oh là là, il y a le chien. Faut que je t'apprenne à chier. Oh, en plus, il a chier chez les voisins. Alors, bah, je te présente. Bah, du coup, il a pas de prénom encore, mais je te le présente. Hein, voilà. Bon, par contre, je vais le porter parce que j'ai peur un peu avec Shop. Hop, voilà. Hop là, voilà. Tu viens à côté de moi. Donc, voilà, bah, Shop, je te présente ton petit gosse. Hein, voilà. C'est notre bébé. Alors, regarde la vue qu'on a quand même. Hein. On a une vue magnifique. Hein. Franchement. Il a hérité quand même d'une belle famille. Hein. Il est bien ce petit bébé. Bon bah écoutez les gars, on va monter en haut. Waouh, on peut courir avec. Hein. On peut prendre des risques les gars. Wow. Par contre, il a la tête un peu retournée les gars. Ça craint les gars, ça craint. Attendez, je vais le poser. Hop. Voilà, on va te poser les gars. Bon bah écoutez, ce que je propose les gars, c'est qu'on aille... À la fête foraine, ça peut être pas mal ça si on va à la fête foraine, non? Hein? T'en penses quoi toi? On y va? Allez, c'est parti les gars, je suis à la fête foraine et je suis avec mon petit bébé, tout simplement. Il me suit, hein, et franchement les gars, il est là, hein. Le mec déjà, il est pas fatigué. Bon, les gars, vous savez, à la fête foraine, nous, quand on était enfants, on a toujours rêvé d'un truc, les gars, c'est quoi, à votre avis? On kiffait toujours ça, dites pas dans les commentaires que c'est pas vrai. On kiffait toujours, c'est que notre père, il nous porte sur les épaules. Et bah vous savez quoi? Je vais te porter sur les épaules. Allez, viens. Hop, tu viens sur les épaules de papa. Hein? Allez, petit bébé. Voilà. Hop, hop, hop. Attendez, c'est mamie là. Allez, tu vas sur les épaules de papa. Tu viens. Voilà. Il a compris le petit. Hein. C'est grave stylé. Je kiffe. Non mais attendez, mais il est sur moi là. Je peux là tu vois, je peux cavaler et tout. Il me tient, regardez, il me tient la tête et tout. Là, je peux cavaler et tout. Est-ce qu'on se ferait pas une petite attraction? Déjà, je sais même pas si on peut... Ouais, je pense qu'on peut en faire une quand même. On peut en faire une. On peut faire une petite attraction, les gars. Allez. Oh, on peut faire un tour de manège avec. C'est parti, les gars. Pouhou! Let's go! Let's go! Ok. Ouais. Alors, attendez là, parce que j'entends des cris. Ok, c'était pas mal, c'était plutôt sympathique, ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour de roue? Alors, on est là, on est posé techniquement. On est dans la grande roue. Il a l'air de kiffer sa petite vie, le petit. Hein. Wow, on est en train de monter là, par contre. Wow, this shit, ça fait peur. Hein. Parce que là, il est encore sur mes épaules, les gars. Wow, on est en train de monter, il est en train de monter, on est en train de monter. Tranquillement les gars, c'est franchement c'est stylé, c'est grave stylé. Bon, je vais passer parce que honnêtement, c'est pas que j'aime pas, mais ça fait un petit peu peur. Alors dis-moi, bon techniquement t'as un bébé, donc à part des tétines et des biberons, techniquement t'es censé rien faire quoi, t'es censé rien prendre. C'est ça aussi. Avoir un bébé, il faut l'assumer, il faut l'assumer. Mais vous savez ce qu'on va faire les gars? Moi je veux dire, j'ai pas peur. Au bout d'un moment. Un bébé, il faut le mettre directement dans le bain. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement dans le bain, les gars. On va voler un véhicule. Hein. Tiens, lui, là-bas, il m'a l'air pas mal, ce véhicule. Le petit rouge, là. Le rouge, j'aime bien. Est-ce qu'il... Attendez. Attendez, on va tester, les gars. Oh, shit. Ah, bien, en plus.
What the fuck? Il y en a deux qui veulent se battre, les gars. Est-ce qu'il va me défendre? Est-ce qu'il va me défendre? Non. Ok, faut que je me défends, les gars. Faut que je me défends. Ok, faut que je me défends. Hein? Pouh! Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu veux me frapper devant mon gosse, c'est ça? Tu veux me frapper devant mon gosse? Tu sais pas qui je suis, moi. Voilà, c'est ça. Tu me frappes pas devant mon enfant, moi. Toi aussi, je vous prends, vous deux, les gars, les bodybuilders, là. Hop! 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 Voilà, c'est moi le boss ici, d'accord? C'est moi le boss, hein? Je veux dire déjà que on t'a ramené. Allez, hop, tu remontes ici, toi. Voilà. Allez, mon petit bébé, tu remontes sur le dos de papa. Voilà. Sur les épaules. C'est trop stylé. Franchement, je kiffe. Allez, cours, 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 cours. Wow, il est lourd quand même, hein. Il commence. Oh putain, il a pété. Aïe, 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 aïe. Il fait que de péter. Ce gosse, il va me rendre fou. Alors, on va le prendre un petit hot dog. Ah, allez, on prend ça ou pas? Non, je le prends pas. Non, mais quand même, un hot dog, un gosse, ça craint. Est-ce qu'ils vendent du lait quelque part? Vous vendez du lait? Bonjour, vous vendez du lait? Non, vous vendez pas du lait ici, par hasard. Non, bonjour, il y a du lait ici? Non, il y a que de l'eau. Il y a que de l'eau, les gars. Ici, attendez, je regarde. Il a pas l'air d'avoir grand chose hein, dans les. Comment on fait? Si on est enfant, on peut pas, en fait, on peut rien acheter, quoi. Peut-être qu'une petite chicha, ça lui mettrait bien, je sais pas. Non, je rigole, les gars. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était tout simplement avoir un bébé sur GTA 5. C'était vachement stylé. J'ai ultra kiffé. N'hésitez pas à être un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est déjà payé, les gars. Activez la cloche surtout. Et voilà, bah, sur ce, on se laisse là-dessus. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.